Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Peut-être avez-vous été surpris hier si vous êtes rendu dans les réglages général et mises à jour de voir qu'une nouvelle mise à jour iOS 17 Beta 3 était disponible. Vous avez peut-être été également surpris par la taille de cette mise à jour, 300 mégas un petit peu plus. Euh, donc on imagine qu'il n'y a pas de nouveauté avec cette nouvelle version. Alors que cache cette mise à jour euh, étrange qui vient d'arriver sur nos téléphones dans les notes de version on n'apprend rien du tout mais on imagine quand même qu'il y a un petit rapport avec la mise à jour de sécurité rapide euh, qui a été lancée par apple euh, il y a quelques jours puis qui a été retirée je pense donc que cette version embarque euh, donc la, la nouvelle mise à jour de sécurité qui corrige le problème au webtit le numéro de version nous apprend quand même quelque chose puisque on a quasiment le même numéro, le 21A5277. Alors cette fois-ci c'est un J, on avait un H pour la version précédente. Ça pourrait donc expliquer le fait qu'on ait simplement cette mise à jour de sécurité intégrée. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis à côté Ça je ne sais pas. Alors, j'ai pas noté vraiment de différence entre les deux versions. On a toujours le même cadran que sur la bêta 3 euh, concernant l'horloge. Vous savez, c'est le, le cadran qui était transparent sur la bêta 2. Bon, il est toujours euh, aussi peu transparent euh, que sur la bêta précédente. On a toujours le même bug des notifications qui lag, donc ça ça n'a pas été corrigé. Voilà, donc bon, ça, toujours pareil. Et je profite de cette vidéo euh, pour euh, parler de stand-by, c'est cette nouvelle fonctionnalité que vous connaissez qui s'appelle veille en français. Euh, J'ai vu sur pas mal de. Enfin, sur certains forums que euh, certaines personnes se plaignaient qu'avec la bêta 3, le, la météo ne fonctionnait plus. Bon, pourquoi pas? Effectivement, moi, quand j'ai lancé, ça ne fonctionnait plus. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, bah, ça a fonctionné. Euh, donc, faites bien attention lorsque vous installez un nouveau système, le temps que tous les services se mettent bien en marche. Parfois, même, pour faut redémarrer, surtout sur, euh, lorsque c'est des bêtas. Donc, bon, avant de, 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 de paniquer, s'il manque quelque chose, n'hésitez hein, pas à attendre un petit peu. Et c'est valable, évidemment, pour la batterie. Souvent, on se dit, tiens, la batterie euh, baisse très rapidement, mais on vient juste de l'installer. Il faut attendre un petit peu. Et puis, généralement, ça rentre dans l'ordre. De la même manière, sur les forums, vous-même peut-être avez-vous rencontré ce problème-là lorsque vous alliez dans les dans le centre de contrôle, pardon, ou même un petit peu partout. Il euh, y avait pas mal de lags de la même manière, hein, c'est les services qui se mettent en marche parfois, donc il faut attendre quelques heures, redémarrer toujours, et puis donc là c'est corrigé. Euh, bon, bon, pas de panique euh, non plus. Et puis un petit mot concernant Standby. by alors c'est pas une nouveauté de la bêta 2, c'est une nouveauté qui arrive avant, mais j'en avais pas parlé. Euh, lorsque vous êtes dans l'horloge de, de Standby, vous appuyez de façon prolongée, vous avez ce menu là, vous pouvez avoir les options ici. Et donc à la fin on a des, des couleurs bitons, donc on peut avoir justement euh, l'horloge avec des, des tons, voilà, comme ceci, des, avec plusieurs tons. Bon, j'en avais pas parlé, je trouve ça assez sympa. Voilà donc un petit point sur cette bêta 3 version 2 des 17, hein, pas de nouvelles fonctionnalités, c'est ce que je vous disais. Et puis globalement, donc là je, je, je le teste depuis, euh, de, depuis hier, je n'ai pas rencontré de, de problème particulier non plus. Je pense que ça devait vraiment correspondre à cette mise à jour de sécurité. Bon, on saura ça peut-être dans quelques jours. Aujourd'hui le 12 juillet, on est au jour 2 et le dernier jour donc des prime days. Euh, là encore, il y a pas mal de, de promos. donc euh, Je vous mets quelques informations dans, dans les liens. N'hésitez pas à aller voir, euh, ça vaut peut-être le coup. Et puis là, justement, euh, l'iPhone 14 aujourd'hui, donc qui est à moins 19%. Euh, bon, bah, ça peut être intéressant là aussi, même si c'est ce que je vous disais hier. Les nouveaux produits arrivent quand même dans deux mois. Bon, bah, ça se réfléchit, mais en tout cas, ça reste sans doute un très bon euh, produit par rapport aux nouveautés que pourrait apporter l'iPhone 15. Hein. Je ne suis pas sûr que ça soit... Une révolution non plus, donc c'est peut-être le moment de craquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Très bonnes vacances à tous les vacanciers, ceux qui vont profiter du week-end prolongé du 14 juillet. Puis bah bonne fête nationale à tous les autres. Et puis pour les francophones de, de, de l'étranger, notamment en Suisse, Belgique et puis Sénégal aussi, euh, merci de, de, de suivre la chaîne. Ça fait plaisir. J'ai souvent pas mal de messages. Et moi, je vous dis à très bientôt.